Je vous demande d'applaudir bien fort notre cher culotte de Thérou.
accompagné par sa femme, par sa mère, excusez-moi. Voilà, allez-y, rentrez mon frère, mon père, pardon. Installez-vous, installez-vous. Avec votre bonne. Et voilà un petit peu tout le monde réuni ce soir devant vous, messieurs, dames, pour ces élections. Alors, je vous propose directement qu'on commence par les programmes. Éventuellement d'un médecin, mais principalement d'une infirmière. Et je vous propose d'être cette infirmière, puisque je suis aussi spécialisée dans les massages, quels qu'ils soient. Ben, tu m'étonnes ! Je peux pas préciser ça. Oui, oui, là. Il y a tout le monde, là. Je commence par le choix. Je fais pas des massages sur les vaches. Pour la commune. Que ton espèce de truc de mari se présente là pour essayer de te faire montrer. Mais il t'a dit qu'il allait quand même pas demander des bronquets, mais c'est quoi qu'on promet à tout le monde. Mais pas du tout, pas du tout. Par toi là, Gérard, qui dit que tu devrais faire faire Ah, tu restes plus comme ça. Non, voilà, donc en résumé, effectivement, Pérou a besoin, quand même, vous êtes comme les témoins, d'une maison médicalisée. Oui. Avec une belle et jolie infirmière, mais surtout très compétente. Surtout compétente, du coup, dans ce cas-là. Bon. Alors non, gardez le micro, parce que j'aimerais savoir quand même, vous voulez construire un cabinet médical, et je vois que vous avez pas mal d'outils à votre... À votre disposition, du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous exercez avec tout votre matériel là. Est-ce que vous avez un petit peu comme patient? Alors ça pourrait être pris pour un thermomètre, oui. Mais pas que. Et c'est... C'était pas prévu ça. Oui, c'est quoi du coup? Mais je peux pas le dire parce qu'en fait, il faut quand même prendre rendez-vous avec moi et là j'ai... Oui, je vais quand même pas aller chercher un patient dans la salle tout de suite. Vu l'état du truc, on va éviter. Après, je vois que vous avez une couche, vous avez des gens qui voilà. Fuient souvent. Donc, ça, effectivement, c'est pour épanouir certaines personnes. Mais ça, c'est la plus petite taille. Voilà, d'accord. Ça, c'est la plus petite taille. Et bien sûr,